tous. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit test des nouveaux pics Le Corbeau, qui ont été gentiment envoyés par Neuro d'OFC. Donc des pics, des boules pour les paillettes, des palpeurs et des racleurs. Voilà. Donc on va essayer tout d'abord le racleur type Bogota. Ils aiment bien cela. C'est vrai qu'il manquait à la collection Le Corbeau, je pense. Donc sur un cylindre bricard de chantier, hein, donc pas de goupille anti-crochetage dessus normalement. Voilà, donc je suis pas un adepte du raclage, hein, donc je suis pas très bon là-dedans. Il y en a qui sont meilleurs que moi. Mais normalement ça ouvre quand même. Hein, il suffit de trouver la bonne fréquence, le bon angle, le bon appui. Ah, c'est crocheté, quoi. Ah non, quel idiot, il y a le paneton qui est bloqué. Bon, on va recommencer. Voilà, ça devrait être mieux là. Voilà, donc c'est pas la panacée, hein, mais souvent ça ouvre assez rapidement. Hein, ça peut être sympa. Voilà, ouverture. Donc comme je disais, hein, c'est le raclage, hein, ça marche pas tout le temps, ça marche pas sur tous les cylindres. Là on va essayer sur un abus C83, donc là par contre il y a des goupilles assez. Hein, donc là ça fonctionne pas trop. Hein. J'ai réussi une fois ou deux à l'ouvrir comme ça avec le racleur Bogota, mais c'est pas évident quand même. Hein. On tombe souvent sur les assez, donc... Sur ce type de cylindre, au mieux, on peut obtenir un décalage qui permettra d'attaquer le crochetage. Hein. Ça peut être une aide, mais c'est pas l'outil ultime non plus. Hein. Voilà, donc là, j'utilise le racleur palpeur en fait. Bon, c'est bien parce qu'on peut servir, on peut faire les deux choses avec. Hein, on peut racler et on peut palper les goupilles, donc. C'est un bon truc, hein. Bon, comme je disais, moi je suis pas adepte du raclage, mais ça peut être un bon mixte. Voilà, bon, puis c'est vrai que j'ai toujours tendance à crocheter en classique, hein. Désolé, mais bon, on peut le faire quand même, hein. La preuve. Bon. Là, c'est vrai que les abus, c'était pas ce qu'il y a de mieux pour les racleurs. Allez, ça va s'ouvrir quand même. Il va m'en rester une ou deux là. Ah, ils sont sympas ces abus. Et la première. Ah, il va m'en rester une encore. Allez, il va passer. Ouais. Troisième. Voilà. Allez. Donc voilà, une petite aide au crochetage, ça peut être une solution, hein, les racleurs comme ça. Alors aussi celui-là qui est en fait une pièce du kit de Cocolitos, hein, d'ailleurs ces pics ont été dessinés par lui d'après ce que j'ai compris. Donc on essaye d'émuler la clé. Alors des fois ça ouvre, mais des fois ça permet de se poser sur les bobines et on continue le crochetage avec un pic classique. Hein. C'est une aide au crochetage, quoi. Une corde de plus à son arc, si on veut. Voilà, ça donne pas grand chose apparemment. Ah si, petit décalage. On va prendre un pic classique pour le finir. Donc ça c'est un Metalux. Hein, avec des passives assez également, comme l'abus. Bon, je suis désolé, j'ai cherché des cylindres sans assez, mais j'en avais pas trop. Un petit coup de raclage, vous voyez, ça permet de récupérer le décalage. Et on continue son crochetage. Voilà. Bobine. Une autre, mais j'ai eu des remontées. On va remettre un petit coup de raclage.
au début. Et ouverture. Voilà. À bientôt.